L'Association pour le développement culturel et sportif des Hauts-Bassins rend hommage aux forces de défense et de sécurité, hommage rendu à travers un concert dit de résilience. L'ambiance avec Hassan Gourabou, Salam Dabal et Kadou Romenki. La musique pour rendre hommage au FDS. Et c'est devant un public conquis que musiciens et musiciennes ont presté. L'initiative est de l'Association pour le développement culturel et sportif des Hauts-Bassins qui, à travers ce concert dit de la résilience, entend rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent depuis plusieurs années pour la sécurisation du pays. C'est un concert de résilience et c'était aussi notre façon de valoriser nos artistes et ensuite venir en soutien aux veuves et aux orphelins des FDS qui sont tombés sur le champ de bataille. Le ministre en charge de la Défense nationale, par ailleurs parrain de la cérémonie, à travers son représentant, a loué cette initiative et invité le monde artistique à s'impliquer davantage dans la lutte pour le retour de la paix au Burkina Faso. C'est une façon à eux de montrer leur solidarité et leur compassion vis-à-vis des veuves orphelins des FDS. C'est une bonne chose. C'est aussi une façon à eux d'amener les mélomanes à participer à la lutte que nous menons depuis quelques années. C'est les raisons pour lesquelles le ministre a accepté parrainer en tout cas cette cérémonie-là. L'Association pour le développement culturel et sportif des Hauts-Bassins ne compte pas s'arrêter là. Elle entend multiplier ce genre d'initiatives pour soutenir sans relâche les forces combattantes afin d'éradiquer le terrorisme dans notre pays.